Pacte Europal, c'est une société qui a été créée en 1982, dans un secteur en fait qui était rattaché au monde de la chaussure. Je l'ai reprise en 2006. Depuis 2006, en fait, j'ai voulu changer complètement l'identité de cette entreprise pour l'orienter vers le monde du luxe. On ennoblit les matières, textiles et cuir, avec les techniques de broderie, d'impression, sérigraphique, numérique, également tout ce qui est embossage, débossage, donc mise en relief des matières. Et ce qui plaît aussi à nos clients, c'est d'être en capacité de proposer l'ensemble des métiers qui servent à fabriquer ces produits. Pour moi, c'est la broderie, ce que je dis toujours, c'est de l'art. Des fois, c'est à un millimètre près, il faut que ça soit vraiment nickel. C'est tellement minutieux, alors on doit trouver une solution pour que ça marche. On prend un peu de temps quand même pour avoir la qualité. J'ai déjà fait des cours de peinture et je trouve qu'il y a un lien. Il y a une vraie compétence technique, des gens qui s'investissent et qui sont passionnés par cette notion de savoir, de manuel. Ce qui me plaît, c'est de toucher les matières nobles de ce métier-là. La mise en relief consiste à donner plus ou moins une vie à un cuir à l'origine plat. On a un de nos clients, oui, où on a eu un développement qui a duré plus de 3 ans. Pour pouvoir sortir une toute petite pré-série, justement. Le curseur est très très haut. Ouais. Les acteurs principaux sont dans l'atelier. C'est eux qui, aujourd'hui, ont fait aussi la richesse de ce qu'on en est, en fait. Et on a l'impression d'être une petite partie du monde entier, en fait, à travers cette fabrication. On a cette reconnaissance, en fait, qui est extrêmement forte. C'est une belle histoire.